La gagnante ou le gagnant de la voix 2024 est... Maudire Deschênes. Alors, vous venez de l'entendre, Maud Cyr Deschênes et sa coach, France Damour, ont triomphé en finale de la 10e saison de l'émission La Voix. Émilie, la grande gagnante, est avec vous actuellement. Oui, bien, en fait, il y a vraiment beaucoup de gens actuellement. On a même Roxane qui vient nous retrouver, la voix officielle de l'émission qui a annoncé ce soir. Maud! La grande gagnante! Maud, félicitations! France, oui! Félicitations. Avant tout, ben, j'aimerais ça te poser la question. Donc, ça fait 30 minutes que tu sais que tu es la voix 2024. Comment ça va? Ça va super bien. Je te dirais que je me suis rarement sentie aussi bien. On est euphorique. C'est un peu surréel. Mais là, plus que les minutes passent, plus qu'on commence à le comprendre. Là. Oui. Tu as déjà dit que Maud, c'est une force tranquille. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bien, en fait, c'est une fille qui prend son espace sans jamais prendre l'espace des autres. Elle prend sa place à elle, puis elle a une énergie vraiment positive. Puis c'est un vrai talent. C'est un vrai, vrai beau talent. Donc, je suis très, très fière d'elle. C'est la connexion, là. Tu sais, quand tu l'as vue, quand ton siège s'est tourné, t'as fait comme « wow ». Oui, c'est comme, puis c'est, sa voix est étincelante, puis elle est forte, elle peut être douce aussi, mais elle est en contrôle. C'est vraiment, le bonheur que j'ai en ce moment, il est décuplé parce que je suis contente pour elle, vraiment. J'aimerais ça juste en profiter, parce que toi, quand tu avais lancé ton album Animal, t'avais quoi, t'avais 25, 26 ans? C'est ça. Toi, t'es rendue à 24 ans. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Une carrière, c'est plein de petits moments, puis à un moment donné, il y a des grands moments. En ce moment, c'est un beau et grand moment, profitez-en, mais demain matin, au travail. Ah oui! Ah oui, on c'est va travailler! C'est le travail! C'est le travail! Est-ce qu'il y aura une nuit de sommeil? Une nuit de sommeil, il faut! Parce que si on veut travailler, il faut dormir, par contre. Rapidement, là, si je te laisse les dernières secondes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Il te reste 15 secondes. Merci beaucoup au public en studio qui a voté pour moi. Merci énormément, ça me touche beaucoup. Et j'ai vraiment hâte pour la suite. Là, je suis en train de préparer des nouvelles chansons, donc j'ai hâte que vous entendiez ça. Merci. Bien, retournez à vos célébrations, les amis. Merci beaucoup. Merci!